Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance. Aujourd'hui, je vous propose une séance spéciale pour soulager le mal de dos. On va tout d'abord commencer en s'asseyant en tailleur. Vous pouvez poser les mains sur les genoux, vous pouvez venir fermer les yeux. Prenez le temps de bien respirer, inspirez, expirez calmement, profondément. Ressentez votre souffle. Prenez conscience de votre corps, de la position qu'il a actuellement, de vos appuis au sol. Prenez conscience de l'espace que vous occupez sur votre tapis, dans la pièce où vous êtes. Continuez d'inspirer et d'expirer profondément, calmement. Détendez-vous, essayez d'avoir le dos droit, les épaules basses et relâchées, le menton légèrement rentré vers le sternum. Vous pouvez vous glisser une bonne intention que vous pourrez garder tout au long de la pratique, tout au long de la journée et de la soirée. À chaque respiration, ressentez le calme qui s'instaure en vous. Et à la prochaine expiration, vous pouvez venir ouvrir les yeux et on va pouvoir débuter. Alors pour commencer, on va se mettre à quatre pattes sur son tapis. On va tout d'abord mettre les épaules au-dessus des poignets, les genoux largeur du bassin. On a le dos bien droit, on prend une grande inspiration. Et à l'expiration, on creuse le dos, on monte la tête vers le ciel. Et j'inspire, j'arrondis le dos, je rentre la tête entre les épaules. Et j'expire, je creuse le ventre. Et j'expire, je creuse le dos. J'inspire. Et j'expire. Essayez d'être détendu, d'être relâché. Continuez à votre rythme, continuez de bien respirer, d'inspirer, d'expirer profondément. Et j'expire. Et je me retrouve le dos droit. On va venir inspirer et à l'expiration, vous allez venir tendre la jambe droite, tendre le bras gauche et essayer de relever les deux membres. Restez bien dynamique, prenez conscience de vos appuis au sol et expirez, relâchez les deux membres au sol. Inspirez et j'expire, je lève la jambe gauche, je lève le bras droit, je reste bien concentré. Et j'expire, je relâche au sol. On va le faire encore deux fois de chaque côté. Et à l'expiration, je tends la jambe droite, je tends le bras gauche. Et j'expire, je relâche. J'inspire. Et j'expire, je tends le bras gauche. Et j'inspire. Je tends le bras droit, je tends la jambe gauche. Et j'expire, je relâche. Encore une dernière fois de chaque côté.
Je prends une grande inspiration et j'expire. Je tends la jambe droite, je tends le bras gauche et j'expire, je relâche. Je prends à nouveau une grande inspiration et j'expire, je tends la jambe gauche, je tends le bras droit et j'expire, je relâche. Et j'expire à nouveau, je viens m'asseoir sur mes talons, les bras au-dessus de la tête ou le long du corps, comme vous préférez. La tête est relâchée au sol. Je prends le temps de reprendre une respiration calme. J'inspire et j'expire profondément. Et à la prochaine expiration, je peux à nouveau me replacer à quatre pattes et je vais venir m'asseoir sur mon tapis. Vous asseyez sur votre tapis, vous pouvez avoir les genoux pliés, vous pouvez poser les mains sur les genoux et venir tout doucement descendre pour venir vous allonger sur votre tapis. Vous êtes allongé ici, vous pouvez venir tendre les deux jambes, prendre le temps de prendre quelques respirations calmes. Inspirez, expirez profondément. Et inspirez, tendez les deux jambes, les pieds bien flex. Et venez inspirer, levez la jambe droite tendue ou pliée comme vous pouvez. Restez ici et venez essayer d'attraper votre pied avec votre main droite. Restez ici, vous pouvez rester plié comme ceci si vous ne pouvez pas tendre la jambe. Sinon, vous tendez la jambe. Le pied gauche reste bien flex si possible. Et prenez le temps de respirer. Et expirez, relâchez. Inspirez, levez la jambe gauche. Venez attraper votre pied gauche avec votre main gauche. La jambe droite reste bien tendue, le pied bien flex, si possible. Et expirez, relâchez. Venez inspirer à nouveau et tendre les deux jambes ensemble, si possible. Venez essayer d'attraper les pieds ou alors vous pouvez venir attraper les mollets et venir essayer de ramener les pieds vers vous. Mettez-vous dans la position qui est la plus confortable pour vous. Ne forcez pas. Allez là où vous pouvez aller. Là où votre corps accepte d'aller. Et relâchez tout doucement. Reposez les jambes au sol. Vous pouvez tendre les jambes. Venir les bouger légèrement pour les détendre. Et à la prochaine expiration, vous pouvez venir plier les genoux au niveau de la poitrine. Basculer de gauche à droite en faisant de petits cercles. Venez détendre votre dos, masser votre dos. Et à la prochaine expiration, venez placer vos bras de chaque côté. Prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, laissez tomber vos jambes sur le côté droit en amenant la tête à gauche. Prenez le temps de bien respirer. Et inspirez, revenez au centre. Et expirez, basculez les jambes à gauche. Le regard vers la droite. Et inspirez, revenez. Et expirez, relâchez les jambes. Sur le tapis, et vous pouvez les tendre, venir déverrouiller un petit peu les jambes et relâcher. Restez ici pour deux respirations. Et à la prochaine expiration, tournez-vous sur un côté et venez vous relevez.
On va à présent pouvoir se remettre à quatre pattes, comme tout à l'heure. Et on va venir à nouveau s'asseoir sur ses talons et venir relâcher les bras vers l'avant, reposer la tête au sol ou les bras le long du corps comme vous le souhaitez. Prenez le temps de bien respirer, d'inspirer et d'expirer profondément. Et à la prochaine expiration, venez vous relever. Vous allez venir crocheter vos orteils dans le tapis. Et à l'expiration, montez le bassin vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Vous pouvez venir faire des petits mouvements en début avec vos jambes pour venir les détendre. Le regard entre les cuisses. J'essaye d'avoir le dos bien droit. Les bras sont bien dynamiques. Je continue d'inspirer et d'expirer profondément. Et à la prochaine expiration, j'amène le regard entre les mains, je viens marcher à l'avant du tapis et je relâche. Et j'expire, je déroule le dos. Et je me place ici en Tadasana, je suis bien droite, les épaules bien basses. Et j'expire, j'amène les mains jointes devant la poitrine. J'inspire, je lève les bras au-dessus de la tête. Et j'expire, je plonge vers l'avant. J'inspire, dos droit. Et j'expire, je relâche et j'amène les deux jambes vers l'arrière de mon tapis. Je peux venir poser les genoux. Expirer, amener la poitrine entre les mains et glisser dans un cobra. Expirez, chien tête en bas. J'inspire, je lève la jambe droite, le regard entre les mains, le pied bien flex. Et j'expire, j'amène mon pied droit entre mes mains. Je viens poser mon pied gauche à 90 degrés dans la même ligne que mon pied droit. Et je viens ouvrir en guerrier 2. J'inspire, je viens tendre la jambe droite, tendre le bras droit vers le ciel. Et j'expire, je viens ouvrir mes deux pieds pour venir me plonger entre les deux jambes. Et j'expire à nouveau, je rebascule sur ma jambe droite. Dans une petite fente. Et je viens pousser avec ma jambe gauche pour amener mon pied droit vers l'arrière et me replacer en chien tête en bas. Le regard entre les cuisses. Et je viens inspirer, lever la jambe gauche, le regard entre les mains, le pied bien flex. Et j'expire, j'amène mon pied gauche à l'avant du tapis. Mon pied droit se place à 90 degrés. Et je viens ouvrir en guerrier 2. J'inspire, je tends la jambe gauche, je tends le bras gauche. Et j'expire, je viens ouvrir les deux pieds pour venir plonger entre les deux jambes. Et j'expire à nouveau, je viens me replacer dans une petite fente à l'avant de mon tapis. Je viens pousser sur ma jambe droite pour amener mon pied gauche en chien tête en bas derrière. Le regard entre les mains. Et j'expire, je me place dans une petite planche, je pose les genoux au sol. J'expire, j'amène la poitrine entre les mains. Et je viens glisser dans un cobra. Et j'expire, chien tête en bas. J'expire, le regard entre les mains, je viens marcher à l'avant du tapis et je relâche.
Et j'expire, je déroule le dos vertèbre par vertèbre pour me replacer en Tadasana. Et à la prochaine expiration, on va pouvoir venir s'asseoir sur son tapis. Je peux venir m'asseoir en tailleur, poser les mains sur les genoux, le dos bien droit, les épaules basses. J'inspire et j'expire profondément. Je peux venir fermer les yeux si j'ai besoin. Je prends le temps de retrouver une respiration calme, lente et profonde. Et à la prochaine expiration, je vais pouvoir venir tendre les deux jambes devant moi, les pieds bien flex. Je me grandis, j'essaye de me positionner sur mes ischions, sur les petits os des fessiers. Je vais venir plier la jambe droite, amener mon pied droit à l'intérieur de ma cuisse ou de mon mollet gauche. Les mains le long du corps. J'expire, j'amène les mains jointes devant la poitrine. J'inspire, je lève les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, je plonge seulement avec mon bras gauche. Et je viens ouvrir du côté droit. Le regard au niveau de la main droite. Et j'expire à nouveau, je plonge avec la main droite pour me retrouver les deux mains au niveau de mon pied gauche. Et j'inspire, je me relève. J'expire, les mains jointes devant la poitrine, puis le long du corps. Et on va venir changer, on va venir tendre la jambe droite, le pied bien flex. J'amène mon pied gauche à l'intérieur de ma cuisse droite ou de mon mollet droit. Les bras le long du corps, j'expire, j'amène les mains jointes devant la poitrine, j'inspire, je lève les bras au-dessus de la tête, et à l'expiration, je viens plonger seulement avec mon bras droit, sur mon pied droit, je viens ouvrir à gauche, le regard vers le bout des doigts de la main gauche, et j'expire à nouveau, je plonge avec les deux mains sur mon pied droit. Et j'inspire, je relève les bras vers le ciel. Et j'expire, les mains jointes devant la poitrine, puis le long du corps. Et je peux à nouveau me replacer en tailleur, poser les mains sur les genoux. Prendre le temps d'inspirer et d'expirer profondément. Le dos est bien droit, les épaules basses, le menton légèrement rentré vers la poitrine. Et à la prochaine expiration, je vais pouvoir venir tendre les deux jambes devant moi. Les pieds bien flex, je me place à nouveau sur les ischions. Les bras le long du corps. J'expire, j'amène les mains jointes devant la poitrine. J'inspire, je lève les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, je plonge vers l'avant. Je relâche la tête, la nuque, le dos. Je ne mets aucune tension. Si je peux seulement poser mes mains sur mes genoux, je pose mes mains sur mes genoux. J'accepte d'aller là où je peux. Je ne force pas. Je suis relâchée et détendue. Et j'inspire, je ramène les bras vers le ciel et j'expire. Je descends les mains à la poitrine, puis le long du corps. Et on va pouvoir s'allonger pour une relaxation. On va pouvoir passer sur le côté pour pouvoir ensuite s'allonger sur le dos. On s'allonge confortablement. Vous êtes détendu, détendez vos bras, vos jambes, détendez tout votre corps. Détendez les omoplates. Pour essayer de les détendre, vous pouvez venir essayer d'attraper avec le bras droit l'omoplate gauche et avec le bras gauche l'omoplate droite. Venez tirer un petit peu en basculant de gauche à droite et replacez-vous. Et observez l'espace que vous avez créé avec vos mains
le mouvement. Observez que vous êtes peut-être plus détendu en ayant fait ça. Continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Relâchez tout votre corps, votre esprit, vos tensions. Concentrez-vous sur vous. Il n'y a que vous-même dans cette pratique. Inspirez, expirez profondément. Inspirez et à l'expiration, bouche ouverte. Sortez toutes les tensions que vous avez en vous. Inspirez encore. Et expirez, bouche ouverte. Observez les tensions qui disparaissent à chaque expiration. Vous pouvez continuer, inspirer, expirer, bouche ouverte. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, expirer, bouche fermée, et essayer de visualiser. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, expirer, bouche fermée, et visualiser la zone douloureuse, et essayer d'amener tout le souffle à l'expiration vers cette zone douloureuse. Pensez très fort à cette zone. Essayez de visualiser le chemin que le souffle doit parcourir pour atteindre cette zone. Et observez. Et observez comment la zone peut se détendre avec votre expiration. Continuez de détendre tout votre corps, d'inspirer et d'expirer profondément. Relâchez-vous. Et à la prochaine expiration, vous pouvez venir tout doucement bouger vos mains, vos bras, votre tête. Vous étirez si vous avez besoin, venir plier les genoux. Venez plier vos genoux sur la poitrine, attraper l'intérieur de vos pieds avec vos mains, basculer de gauche à droite, si ça vous fait du bien. Faites des mouvements, des gestes qui vous font du bien, que vous avez envie de faire. Et expirez, relâchez. Si vous êtes prêt, vous pouvez venir basculer sur un côté pour venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Vous pouvez venir garder les yeux clos. Asseyez-vous confortablement, les mains jointes devant la poitrine ou les mains sur les genoux, comme vous désirez. Continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Le dos bien droit, les épaules basses, le menton légèrement rentré vers la poitrine. Observez les douleurs qui se sont peut-être atténuées. Observez l'espace qui s'est créé en vous. Observez le calme et la sérénité qui s'est instauré en vous. Et vous pouvez venir ouvrir les yeux. Contemplez encore une fois le calme. Namasté. Et à bientôt.